Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Europa Universalis 4 avec Elysia. Donc vous voyez que j'ai bien grossi depuis la dernière fois. Je suis en train d'intégrer mon vassal de Etova. 93 parce que j'ai annexé l'autre casse-pied là-haut. Manière à queue que le Vinland, mais j'ai vu que le Vinland avait une province là-haut donc. Alors que je pousse là-haut pour bloquer le Vinland. Bon, je lui défoncerai sa gueule. C'est plus simple. Donc qu'est-ce que j'avais à faire comme mission? Abandonner mon étage romain, ce qui est hors de question. Parce que ça m'empêchera justement de pouvoir faire les missions. Alors vous voyez que j'ai quelques révoltes, mais bon. J'ai beaucoup plus de troupes et d'armées qu'auparavant. Mon pays ressemble enfin à quelque chose, vous avez vu, hein. Je fais du pognon. Je fais du pognon, hein, grâce. Oui, bon, mine d'or aussi. Le commerce, bah, je maîtrise le commerce dans le coin. La production. Et donc, mes colonistes. Ici en cours. Exirodos en cours. Vais dire à ce Gus-là de revenir et je vais l'envoyer. Ici, parce que j'ai une mission pour faire ça. J'ai une mission pour prendre ces deux provinces-là et en faire des colonies. Ouais, 18 pour l'instant, je peux enfin encore pas le pognon. Alors ça, j'ai dit que je ne voulais plus entendre parler. Les sentiers dans les Appalaches sont en train d'être faits. Adopter la presse imprimée. Oh, faut que j'apporte. Ah ouais, il faut que je trouve un gars qui a la presse imprimée. Et comme ça, je peux essayer de voir institution. Personne n'a la presse imprimée? Il faut un pays avec un port. Le colonial, c'est parfait. Notre tyrannique, on leur dit de se calmer, c'est Gugus. T'as pas encore la presse imprimée, la France. Faut que je monte mes rations, faut que la France. Là, on va convertir tout ça. L'important, c'est de. Ah, des sauvages que. Parfait. Couverti en couverti. On assimile. Là, il y a les enquiquineurs chez mon vassal. On massacre. Kaokia, faudra que j'annexe Kaokia d'ici dès que je pourrai. Le pape considère que ces îles-là sont du ressort de l'Espagne. Mais bien sûr. On se dit d'aller te faire enculer sans que tu le prennes mal, mon petit pote. Alors, les Portugais sont en train de débarquer là. Spartania, là, est un grossir, tant mieux. Laissez Spartania tranquille. Si on peut les garder en alliés. Faut que je fasse une team Nouveau Monde de manière à pouvoir lutter contre les envahisseurs. Un nouveau settlement. Il y a les colonies. Bon, il faut absolument que je. Faut que je grossisse, je veux dire. J'ai un tas de terres à coloniser. Et en plus, vous voyez, ça se convertit. Allez. Et puis en plus de provinces qui sont si m'accueillent, ils se convertissent peu à peu. La traite des Abénaquis est terminée. Ouais, on va pas taper dessus tout de suite. Pourquoi? Oh, ça se calme un peu. Le vrai problème, c'est ça, voilà. 81,2%. C'est-à-dire que 18 mois de guerre, un an et demi à peine, et je me tape une révolte. J'ai pas du tout envie de me taper une révolte. Je peux battre des trucs.
0,8, 0,10, pourquoi pas. Manufacture. Oh, 0,80. Je prends une manufacture de cuivre. Et plus on bâtit une manufacture, plus ça se passe. Le pognon appelle le pognon. D'ailleurs, niveau... pour préparer la force d'invasion, il me faut quoi? Il me faut 10 navires lourds et 25 transports. Il faut 2 navires lourds de plus. Je vais créer 2 caracs. Il faut combien de transports? 20 ou 25? 25 transports. Ça coûte trop d'argent. Le but c'est de grossir. Côté le plus de province possible, s'étendre. La France, on est bien avec la France. Alors, Daidala. Grande course à l'hippodrome, on va pas parier. Alors. Pierre nous bénisse. Tiens, voilà, hop. Change divinité. Guerre civile en Hollande. Vous avez la religion. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de moins en moins de groupes. Dans la salle, toi là, et toi, t'as pas des claims sur d'autres pays. Nissi Rhodos, c'est l'île de Rhode Island, hein, ici. Hop. Je vais pas aller voir des conseils niveau 2 et 3 maintenant. Alors, des séparatistes aux sages. Pas très sages ces gens-là apparemment. Donc, on va faire le plus de provinces possible. Noble rebelle, albanais, l'Albanie se démerde. C'est son problème. Tiens, toi ici, hop. On colonise, allez hop. Suivant. Je ne jamais ici. Voilà, oui, j'ai encore plein de pognon. Hégémonie lycéenne, c'est pas pour tout de suite. J'ai pas encore une hégémonie. Family income. Ça coûte bien lourd, 1 million d'hommes. D'ailleurs, je suis 4e quand même. Élysée est 4e. Qu'est-ce que je peux faire? Les eaux chaudes, où je fasse la mission retour à la terre-mère. Retour à la patrie. Une colonie, c'est toujours pratique d'avoir 100 hommes pour finir une colonie très vite. Est-ce qu'on peut seulement investir un petit peu plus dans les dans le dev?
Troisième chose avec les biens de production. On ne sait pas ce qu'on produit. Du papier. Ainsi dans l'or. Je vais faire du pognon, c'est qu'une fois qu'on fait du pognon, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On pourra acheter pas mal de mercenaires en Europe. Parce que les autres gogo là, ils sont continués à explorer. Je veux dire, les mecs, depuis le début, ils font quoi? Bah, on explore le monde, hein! Vous sentez bien un peu plus cohérent dans votre déplacement. Ah, l'Espagne fait des claims sur moi. Continue l'Espagne. C'est continue l'Espagne à me faire suer, tu verras. Je t'explique un truc. Bah, Tanix ont développé une culture militaire, très bien. Bon, des conseils militaires, j'en ai plein. Son natif, boum. Les Miami. Coucou. Les beaux Appalaches sont terminés. On va créer encore une nouvelle province. Allez, on va accepter le 1 de base taxe. Union évangélique. Ah, les ligues protestantes et catholiques sont activées. Ce qui est parfait pour moi, parce que ça veut dire que les ligues ont un bon prétexte pour qu'on ait des gens qui se tapent dessus. Une Europe divisée, une Europe qui pourra céder devant moi. Et à niveau institution, rien n'est présent. Alors, la montée des Illyriques, je sais pas ce que c'est que ces gugus là. Laissant des mercenaires francs et allemands qui sont venus avec nous au monde. Très peu ont gardé leur culture originale. On fait la colonisation dans les marches au sud-ouest d'Elysia. Et le tas de leur background germanique, c'est que leur dialecte, la culture de la rivière Andronica et les deltas sont teintés d'une certaine barbarité. Même le nom qu'ils ont pris, Elyric, est une bâtardisation d'un nom germanique pour votre domaine. Aïe. Déjà. Elle n'a toujours pas eu ces cons là. Propage lentement ça. Ouais, c'est que niveau culturel, regarde, ça donne. Bah, Elyric, qui sont là, ces couillons. Bon, au moins, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire qu'ils sont à moitié. Voilà, Eric. Ouais, au moins, voilà. Tous ces gens-là, on va les accepter. À tous, c'est... notre groupe culturel, quoi. Bon, là, j'ai un qui est mort, là. Hop, bienvenue dans votre vraie foi. J'ai vu comment ça progresse très vite. J'essaie de descendre la pointe de Floride de manière à pouvoir. J'ai eu peur, j'ai cru vraiment que c'était des Portugais.
Faut-il le faire ce genre de frayeur, s'il vous plaît, le jeu, hein. Allez, on célèbre un monument à Ivos. L'Espagne, où est-ce qu'elle est l'Espagne? Où est-ce qu'elle a posé son cul l'Espagne? Où est-ce qu'elle a osé s'installer? Ah, c'est à côté de chez moi, je vois pas où ce qu'il pourrait être, les gars. Ces gens-là, où est-ce qu'ils peuvent être? Alors, on paye les salaires. Pas sûr que les gens aient pas de raison de gueuler, enfin pas trop en tout cas. Et tout, on va faire un truc très simple, ça va être maintenant. Il me manque 4 nez. Voilà, hop. Ça, j'aurai la force d'invasion suffisante. L'avantage c'est qu'en plus, une fois que j'aurai. Vu que j'aurai stabilisé le coin ici, que j'aurai pas fait de nouvelle guerre, je pourrais tranquillement m'installer vers. Préparer l'invasion de l'Europe, puisque après tout, j'aurai pas de nouvelle guerre. Enfin, j'aurai pas de problème de stabilité interne. Ouais, c'est important d'y penser, hein. Les bourgeois ont pris le pouvoir, bah, c'est leur problème. Hein. Laisser les bourgeois prendre le pouvoir et faire n'importe quoi. Je pourrais partir vers là, hein, vers le nord. Aptitude, celle-ci. Gagner du prestige avec les conversions. Je vais prendre ça parce que si j'ai des retards. Si je fais une guerre contre des Européens que j'ai des retards militaires, ça va pas le faire du tout. La mission est prête. Prépare la force d'invasion. Ok, du coup, faut que je prépare. Commencer l'effort d'invasion. C'est un nouveau case belly qui me donne des bons. Préparer un pied à terre. Les élites militaires connaissent tous les secrets de la poudre à canon européenne et introduisent dans nos armées de nos flottes. Avec leur avantage technologique nié, nous sommes. Pouvons vous avez pensé une invasion à grande échelle du continent à travers la mer. En particulier dans les terres ancestrales de Hellas. Comment on va le faire? Commencez par sécuriser nos lignes de ravitaillement. Commence par quoi? La port Atlantique. Le détroit de Gibraltar. L'idée est méditerranée. La vache. Commencez par sécuriser un port atlantique. Ok. On va commencer par taper sur du portugais et l'espagnol. Ça va être. On va dire que ça va être un petit peu coton, mais bon. Vous savez quoi? On est dingue. Notre but c'est quand même de rentrer chez nous, n'est-ce pas? Vous êtes conscient, vous êtes d'accord, j'espère. On va préparer ça. L'île de Malte. Travasion du
du vieux monde continue, c'est que l'empereur et son conseil de guerre reçoivent des rapports journaliers. Nous pouvions prendre les contrôles de Malte, se donner une forteresse en Méditerranée centrale pour lancer un assaut sur la Grèce. Tu sais en guerre contre qui là? Contre Gênes, France et Sienne. Ouais, c'est quoi? On va commencer par faire du classique, c'est-à-dire de la. On va lever une petite armée locale. Les gars, 4 connards, vous allez voir. Une fois que je serai en Europe, je pourrai commencer à préparer mon invasion. Ok, on va se lancer dans la guerre. Pas le coup des Européens, les gars. Ça va être excitant. Vitesse explorateur. Ici, on se préparera à lancer l'invasion à grande échelle. Pour reprendre cette île-là. Le Portugal, on essaiera de sortir le Portugal rapidement. Pas de débat au Sénat, donc encore un nouveau débat. Croissance coloniale, voilà. Ça coûte pas cher. C'est juste 5 prestiges. 5 traditions militaires, ça me casse un peu les pieds. Non. Pas les terres et couronnes. J'y pense d'ailleurs. Ok. Terre de la couronne 2, justement, on est où tout ça? 46. Monter d'ici peu. 2-3 mois, ils seront installés. Du coup, je pourrais faire la mission. J'aime bien comment mes vassaux colonisent comme des cochons. Tu vois vraiment que ça crée tes petits particularismes à la noix. Ok. Une flotte de 62 navires, c'est pas une flotte de merde non plus, elle est pas misérable ma flotte. Et on va leur dire, préparons-nous à la guerre. Et on va dire que l'Espagne. On va leur dire qu'on veut justement la province de Curaçao. Non, il avait déclaré la guerre ce truc-là. Je peux pas le faire là. Alors, Curaçao Dominica. Il prend les Canaries, elle a pas à faire ça. On va dire ici, on embarque et le but c'est de prendre les Canaries. On essaie de sortir les taux sans priorité. Alors, la dame d'Alexandrie. Les membres de la noblesse tendent à être excentriques, mais cette jeune femme
proche qui ne parent éloigné de notre famille, hein. Et la fille d'un Steve McCoy, hein, était plus loin de notre cité. Elle a assommé sa propre armée de soldats et pense qu'elle veut servir l'Empire comme général pour reconquérir la Hellas. En général, une telle intention serait rejetée. Cette femme a prouvé qu'elle était une très bonne entraîneuse et une bonne logisticienne. Putain, si je peux avoir un super général, regardez-moi les stats de ce machin. Vous pensez les gens que je vais l'acheter? Vous avez vu le niveau de compétence de cette femme? On va débarquer aux Açores. L'idée, ça va être en fait de prendre les Açores, Madère, puis les îles ici. Une fois qu'on y est, on commencera à foutre les pieds au Portugal de manière à pouvoir. Ou qu'on prenne les ports ici de manière à pouvoir faire tomber les tosses. Je pense que le Marocain ne pourra pas tellement résister qu'il va avoir notre puissante armée. On est là-bas le 11 décembre. Et une fois que j'aurai pris la côte ici, je vais toujours prendre le sud ici. Et ensuite, on va y aller petit à petit. On va aller étape par étape. Ça sert à rien de vouloir se jeter comme des margoulins sur... Il y a 10 Portugais là-bas. Quand j'ai pris les Açores, on débarquera aux Canaries. Il y a également la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne avec un peu de chance. Et en guerre contre qui déjà? En guerre contre l'Autriche. Guerre à la Ligue protestante. M'est avis que l'Angleterre aura un petit peu autre chose à foutre que venir casser les pieds. Les Açores sont tombés aux mains d'Elysia. Parfait! L'espèce marine là. Elle fout les pieds sur Tenerife, enfin, Gran Canaria. Et après, ben, l'armée qui est ici, on la redébarque. Dans tout ça parce qu'il n'y a pas le forteresse. Pour tout ça, si je prends les 4 forteresses là au portugais, il y a moyen pour que ils disent. On laisse des provinces de merde du Maroc. Initiative excellente. On prend. Pas oublier de convertir les provinces après tout. Sac avril. Ah mais ici on a le surfer manpower. Les Anglais qui sont là. Je peux pas les choper ces gens-là. Faut juste que je prenne des ports et des pieds à terre. Pour le moins de pieds à terre. Ouais, c'est que tant que j'ai des. J'ai pas de pieds à terre, c'est risqué, mais dès que j'ai un pied à terre, un port, on peut être tranquille. Les Marocains qui sont là en train de faire le siège, enfin le blocus naval de leur propre. Propre colonie, enfin, le propre domaine, mais bon, ils n'ont pas les moyens de la tenir, c'est dommage. Le site de guerre est pris, ça y est, Gran Canaria. Flotte espagnole. Ouf, oh putain la vache. Oh, on se l'aura mis aux Espagouins. Ça paye un petit peu cher, mais bon. Vous débarquez quand? 2 juillet, Ifni. Il n'y a pas qu'il y ait une autre flotte qui se promène trop vite. Beaucoup de bateaux là dans les Caraïbes. Il va falloir un jour également que je m'étende par là. Construire la manufacture, c'est toujours vital.
Là, si on veut prendre du pognon. L'armée ici va lui dire préparez-vous à débarquer. Dès que ta prière est finie, on remonte vers le nord. Tarmela, avec la super générale, va prendre la forteresse. L'idée, c'est de prendre les 4 forteresses, dont celle-ci. On fait le pli portugais, une fois qu'on fait le pli portugais, on s'occupe de l'espagnol. Je peux faire des paix séparées, il faut que je fasse des paix séparées, que je m'empare du Maghreb. Alors, culturellement, c'est quoi ce bordel? C'est du marocain et là c'est du berbère. On va maroquiner tout ça. Hein. On acceptera la culture marocaine, évidemment. Au pire. Ah, cette province. Agadir. J'ai un truc avec le Maroc. Il débarque chez moi ou pas? Eh, heureusement que c'est con, hein, qu'ils ont toujours pas remarqué que j'avais pas de... Que j'ai plus de gens chez moi, parce que sinon je serais dans la merde. Hein. Je vais rappeler cette personne-là et lui dire... Pointe-toi ici pour me relier mes colonies. Drainage amélioré, parfait. On est tech 13. Prochaine tech, ce sera probablement une tech militaire que je vais prendre. Boum du café. Alors je sais que vous avez colonie ici au Brésil. L'Angleterre, de toute façon, jamais été une cible très intéressante. Hein. Il y a même pour l'Empire romain. Hein. Britannia, c'était vraiment pourri. Ouais, si McCoy. C'est bien, c'est que toutes ces provinces-là. Le gars commence à se. Convertir. Les paysans portugais ont occupé Agadir. Bouge pas les mecs. Pas tous avec des pécores. Au pire, moi je prends les provinces. Marrakech s'est tombé. Ouais, on va aller prendre Tasla. Dommage, j'ai pas mis l'Espagne en leader de guerre. Un quartier du province, c'est parfait. On va s'aller pratiquement converti. J'aime beaucoup Pitéas, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment le moment de faire l'exploration en pleine guerre. Oh putain, j'ai pas vu ça! Aïe. C'est déjà 14% de score de guerre rien qu'à prendre cette province là. Donc on va se permettre de prendre des pognons là, attendez. Qu'est-ce qu'il y a un truc là? Si on doit faire des... Et si on a de la merde, on peut se permettre de faire...
Donc je fais la merde, je me dis pas à prendre des troupes, hein, je m'en fous. Puis on prend tout ça. On se réunit aux deux armées ici, on fusionnera tout ça. Et là, on enverra la viande au casse-pipe dès qu'on pourra. Vous ne me croyez pas la forteresse à 14%, ça me ferait suer les gars. On va vous envoyer là-bas. Mercenaires, on les gardera derrière en réserve. Et quand le 3 octobre, c'est parfait. Après le tic du moral, elle est renfort. On va saucer. Reste arrière, on prend le fort de ta tête la machin là. C'est quoi? Faut vraiment qu'on le fasse tomber très vite. Nos pertes d'argent, les colonies ça coûte pas si cher que ça par rapport à l'armée. C'est l'armée qui me coûte une blinde. Bon, c'est pas grave. Les dettes ça se rembourse. Nous, si on peut faire craquer très vite les Ibériques. Il n'y a pas des gens qui veulent. D'ailleurs, j'ai un nouveau marchand, moi. Oyo, Ikladen, c'est là, ici. Là, faut que ça parte, faut pas que ça parte en Europe. Veronica, Mexico. Toba a dit. Tulé et Hespéride. Bon, allez, mettez-moi le siège de cette province-là. Je pense que c'est un peu trouvé à kill les deux armées mercenaires en fait. Ou de canon, allez, faites-moi sauter les murs. On va aller prendre Fès. En fait. Les bourgeois ont été soucoupe réglées, parfait pour eux. Bon allez, fais-moi tomber ce fort là. C'est à la vitesse. Donc ça va être trop chiant. Les barbares du Maroc ont pillé les côtes. Alors les Marocains, il va falloir très vite expliquer qu'il faut arrêter de casser les couilles, parce que sinon ils vont me... Les Marocains c'est une plaie sinon. Il va très vite falloir les défoncer les mecs. Donc, une fois qu'on sera occupé des... Tripoli, Kabylie, ça va être là, hein, et le Fezzan qui va être là. La Kabylie est ici, le Fezzan est là. Vu l'état des autres pays, je pense que... Misérable. Je vais pas me gêner, je vais leur apprendre à casser les couilles au maghrébin. Il y a un bon maghrébin qui est pas mort. Lui il va vouloir partir vers Dra. On va prendre voir sa salle pour le faire chier.
Britannia. Il me reste à quoi épée tout ça. Vu que j'ai un colon qui glande plus rien. Hop, les colons. On va faire un peu de... On va relier un peu notre terre histoire que ça ressemble à quelque chose un petit peu sur la carte. C'est vrai ça, c'est moche sinon. Donc, pour l'instant j'ai que ça comme claim. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Le Maroc, qu'est-ce que, enfin, le... qu'est-ce que j'ai saigné l'autre? On continue. Hein. Un conseiller mort. Tristesse, mon ami. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à la prochaine et salut tout le monde.